y a tout le monde qui demande de tes nouvelles sur Instagram. Non! Putain, c'est pas vrai. Coucou, Mévi, comment vous allez? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que... Wow! Wow! Si vous passez une mauvaise journée, en tout cas, je viens de la rendre encore pire, là. Il se peut pas vous snapper avec cette... Non. Du coup, Mévi, désolée, j'ai pas pu faire mieux. Je vous avais prévu une recette. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était il y a 72 heures à peu près. Il y en a qui attendent toujours, je suis quelqu'un d'horrible. Du coup là, comme j'ai ma mère qui a le dos bloqué, je sais pas si vous vous rappelez, faut que je lui fasse à manger. Du coup je vais en profiter, je vais faire d'une pierre deux coups, tu vois, je vais faire deux trucs chiants, je vais vous partager la recette et je vais lui faire à manger. Parce que en fait à la base j'avais pas du tout prévu, parce que vous partagez une recette, moi j'aime bien. C'est cool surtout pour les filles qui me demandent comment j'ai fait pour prendre du poids et tout ça. Mais c'est galère, la vérité c'est galère, déjà que de cuisiner c'est galère. Si en plus je dois filmer toutes les étapes et tout, c'est chiant. Mais bon, non seulement c'est un peu mon taf, en fait j'oublie un peu trop souvent que c'est mon travail de vous partager des trucs. Mais en plus, vous me demandez tout le temps des recettes. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas. Alors que quand je cuisine, c'est là où je prends du poids en fait. Quand je me force à cuisiner, donc je vais vous partager mes recettes. Je vais essayer de le faire plus souvent. Bon, j'avais vraiment pas prévu aujourd'hui, hein, mais comme ma mère, elle m'envoie des signaux là, elle m'envoie des vocaux, elle fait aïe, aïe. Vous connaissez les Arabes. Du coup, ça veut dire fais à manger. Je sais parce que c'est moi qui le fais d'habitude. Enfin, moi je le fais toute l'année. Elle me le fait une fois tous les 3 ans. Donc ça va. Du coup, on va faire une escalope de veau à la crème et aux champignons. C'est une des recettes les plus simples que je connais, une des premières recettes que j'ai cuisinée seule quand j'ai habité toute seule à Toulon, là, quand j'avais 18 piges, quand j'ai mon premier appart. Du coup, vous allez voir, c'est simple, c'est bon et il y a de la protéine et tout, c'est bien pour la prise de masse et c'est facile à manger.